Que de chemin parcouru depuis cet ancien moulin. Que de quintaux de blé écrasés depuis cet ancien moulin. Que de pain et de brioche sortis du four depuis cet ancien moulin. La farine, ce n'est pas un hasard chez les Planchot. C'est tout simplement une passion. Cette aventure de la farine a commencé depuis fort longtemps. Et c'est Victor et Françoise, en 1963, qui donnent un nouvel élan à l'entreprise située à Saint-Paul-en-Parais, en Vendée. Victor produisait alors 3000 quintaux de farine blanche. À ce moment, un seul objectif, produire pour nourrir. Au four et au moulin. Eh oui, il y avait déjà deux activités au sein de l'entreprise. À peine 10 ans plus tard, Victor a déjà refait le moulin et multiplie sa production par 4. En 1985, les deux activités se développent avec Philippe et Dominique qui reprennent le flambeau. Dominique se concentre sur la boulangerie et Philippe sur le moulin. Les artisans boulangers commencent à modifier leurs offres de pain et le secteur agroalimentaire se développe à grande vitesse. La minoterie accompagnera ces deux grandes évolutions, notamment en créant la marque Poulichette. Voici un partenaire de longue date, M. Jean Fillon, créateur de l'entreprise La Boulangère. En 1976, j'ai racheté l'affaire de mes parents. Et en 1985, j'ai créé La Boulangère. C'est-à-dire que c'était l'époque où la grande distribution prenait de l'ampleur. J'étais très content d'aider à la limite à la minoterie à se développer et elle aussi à franchir des paliers que nous, on essayait de franchir aussi. Alors tout ça, c'était mené de pair. Philippe a bien suivi les demandes, était toujours très à l'écoute et je trouve que ça s'est très bien passé. Et puis je pense surtout à mon père et puis à mon grand-père qui devaient être fiers de voir cette évolution et le grand-père Planchot qui est boulanger, de voir aussi l'évolution qu'a su faire Dominique au niveau de la boulangerie. Je trouve ça extraordinaire et moi j'en suis très content. Et si la boulangère a participé en tant que client à créer cet outil, ben, j'en suis très fier. Avec la marque Poulichette, M. Jacques Brémaud, artisan boulanger dans la commune de Saint-Macaire-en-Mauges, entretient le savoir d'un travail bien fait. La marque Poulichette nous apporte un partenariat au niveau de la communication. Si on était seul, on n'aurait pas la même communication vis-à-vis des clients et de l'environnement. Ça permet de se faire connaître plus rapidement. La plus grosse progression s'est faite les premières années et ensuite on a diversifié dans tout ce qui est la partie traiteur, sandwich et toute la gamme de pains spéciaux. Les stages, j'y vais de temps en temps, à mesure du possible. Moi, j'ai fait plusieurs stages, stages sandwich, ma femme a fait des stages de vente. Tous les ans, on fait à peu près une animation au magasin. Ça nous apporte une nouvelle clientèle. Ça nous permet de faire goûter divers pains et de bien communiquer aussi la marque Poulichette dans notre boulangerie. La volonté de la minoterie a toujours été de travailler conjointement avec les artisans boulangers et les industriels. Cette mixité permet de combiner à la fois le savoir-faire des boulangers avec la flexibilité et la rigueur des industriels. Cet échange est du reste très intéressant en recherche et développement. Revenons maintenant, si vous le permettez, sur l'enseigne Poulichette. La reprise ou la création d'une boulangerie est certainement le rêve d'une grande majorité des personnes qui ont suivi le cursus de formation boulanger-pâtissier. Artisan boulanger, la minoterie se veut le facilitateur de votre installation et vous propose autour de l'enseigne Poulichette un gage de réussite. C'est aussi un accompagnement de chaque instant, basé sur notre très bonne connaissance du métier, des actions et des produits testés en situation réelle dans les magasins. Pas trop cuite ? Très bien, parfait. Voilà la Poulichette. Plus qu'une gamme de farine, la Poulichette, c'est une famille. Au revoir. Il y a les farines élaborées, pour la création de pains spéciaux, les farines panifiables, avec la tradition, et les farines à brioche. La minoterie développe également un programme nutrition, avec la farine Poulichette type 80.
continuité dans le travail avec nos artisans boulangers et le monde agroalimentaire, notre nouveau moulin est arrivé. Après une réflexion avec toute l'équipe du moulin, nous avons pu bâtir un outil qui correspond à l'avenir, à savoir la traçabilité totale en passant du grain jusqu'à la farine, un nouveau process qui correspond aux nouvelles normes européennes et surtout au niveau de la sécurité alimentaire, avoir la capacité aussi à répondre à un cahier des charges de n'importe quel client avec notre station de mélange qui est entièrement automatisée et enfin une flexibilité pour l'équipe au niveau du travail. Une sélection des blés pour leur qualité gustative et panifiable. L'outil informatique permet de gérer de manière informatisée et automatisée la fabrication complète de vos farines. Depuis l'arrivée du blé jusqu'à la transformation, la maîtrise des points critiques est ainsi tracée, afin d'assurer à tous nos clients, ainsi qu'aux consommateurs, la sécurité alimentaire. Créez vos produits selon vos critères et votre cahier des charges. La Minoterie accompagne tous vos projets en réalisant des farines à la carte avec une plus grande souplesse de mise en place. Créons ainsi votre spécialité boulangère pour garantir votre développement professionnel. Certifié ISO 9001 et en cours de certification ISO 14001, le moulin permet d'élaborer un plan d'action pour améliorer les performances auprès des clients et pour l'environnement. Ce nouvel outil va nous permettre d'assurer une capacité d'écrasement trois fois plus importante, pouvant atteindre 500 000 à 600 000 quintaux annuels. Le projet est devenu réalité. Je remercie toute l'équipe du moulin, nos clients et les corps de métier qui ont su réaliser ce moulin. C'est ensemble que nous avancerons vers l'aventure de la farine et c'est ensemble que nous partagerons la passion de la farine. La Minoterie Planchot, c'est jour après jour, une équipe à votre service.